Dimanche 22 décembre 2019, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Merci de toujours préférer votre émission dominicale Week Echo qui analyse et décortique l'actualité socio-économique. C'est une mesure prospective que prend le gouvernement pour anticiper sur les problèmes futurs dans le secteur de l'éducation. Il s'agit du recrutement des cabinets ou de structures privées qui mettront à sa disposition du personnel enseignant pour le compte du primaire ou du secondaire. L'ambition étant de garantir à tous les apprenants la disponibilité des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Mesure salutaire pour l'enseignement, mais dont la mise en œuvre pose déjà quelques petits soucis. On en parle dans le décryptage. Et au menu du dossier de la semaine, nous parlerons de la myxomatose. J'y arrive, plutôt connue sous le nom de la maladie du lapin. Une maladie virale qui survient principalement dans les mois humides et chauds. Les éleveurs béninois en ont fait les frais il y a encore quelques mois. Conséquence, de nombreuses têtes de lapins décimées et des cuniculteurs dans la tourmente. Que faire face à cette épidémie qui ravage les lapins? Les réponses dans un instant. On démarre ainsi l'aventure de Week Echo de ce dimanche et vous le savez, la première rubrique c'est le mini-journal. À la présentation, la ravissante Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants. Maillon essentiel de la chaîne du soin, ils assistent le personnel soignant et assurent aussi la propreté du cadre de travail et des plateaux techniques. Pour mieux comprendre ce métier, Rodrigue Blondoumé et Patrick Adjagbodjou sont allés à la rencontre de quelques aides-soignants. Au service social de l'hôpital de la Mer et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires. Dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles.
d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. On apprécie chacun à notre façon le thé. Certains pour perdre du poids, d'autres pour faciliter la digestion. Le thé fait partie des boissons les plus consommées. Une journée lui a d'ailleurs été consacrée. Quelle est donc l'origine de l'International Tea Day et quels en sont les objectifs, les détails dans ce reportage? L'idée première d'une journée pour le thé est partie de New Delhi, la capitale indienne. Il s'agit d'attirer l'attention des gouvernements et des citoyens sur l'impact de la production et de la consommation de thé à travers le monde. Les plus grands producteurs dans le monde restent la Chine, le Japon, l'Inde, le Népal et le Sri Lanka. De nombreux pays se sont convertis à la théiculture depuis le XXe siècle, faisant ainsi du continent africain l'un des acteurs essentiels sur le marché mondial du thé. Ce sont le Kenya, le Malawi, l'île Maurice et le Rwanda. Le thé est une boisson aromatique préparée en infusant des feuilles séchées d'un arbuste originaire de l'Himalaya qu'on appelle le théier. Le thé est depuis le XXe siècle la boisson la plus bue au monde après l'eau. Le thé est à la fois recherché pour son goût, ses vertus énergisantes et relaxantes, ainsi que pour ses effets positifs sur la santé. Dans le monde, 4 millions de tonnes de feuilles sont récoltées chaque année. Chaque variété a son terroir, ses spécificités gustatives et ses bienfaits. Les thés obtenus sont différenciés par leur couleur. Le thé vert est un des plus puissants antioxydants, un très bon allié pour brûler les graisses, prévenir des cancers et protéger la peau. Le thé noir est aussi riche en antioxydants. Il améliore la circulation sanguine et lutte contre les maladies liées au vieillissement. Le thé jaune est quant à lui l'un des plus rares et des plus fins au monde. Il agit favorablement sur le taux de cholestérol et facilite la digestion. Le thé bleu, quant à lui, aide à prévenir le diabète et améliore les fonctions cérébrales. Le thé blanc est celui qui subit le moins de transformations et le plus riche en antioxydants. Il protège le cœur, la peau et prévient de certains cancers. Cependant, attention, consommé en excès, le thé peut irriter la paroi de l'estomac et entraîner des indigestions et des constipations. Tout comme un café, un thé fort dans les heures qui précèdent le coucher peut être une cause d'insomnie. Évitez de laisser infuser le thé trop longtemps, pas au-delà de 7 minutes. Il faut se brosser les dents régulièrement après avoir bu du thé et surtout boire un verre d'eau juste après sa tasse de thé. Au Bénin, les artistes ont des droits exclusifs sur leurs œuvres. Pour rendre légal et légitime ces droits, la loi 2006, relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins a été votée et mise en vigueur. Cette loi permet au Bureau béninois des droits d'auteur et des droits voisins, Bubedra, de collecter des redevances et de les redistribuer à ses sociétaires. Quel bilan fait-on plus d'une décennie après la mise en vigueur de cette loi? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas. Ils sont nombreux, les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits, même si ce n'est pas beaucoup, beaucoup comme cagnotte. C'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée, par le public,
l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport à 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je ne dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le Bubedra ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinées aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Et ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Ulvaeus Balogun. Du mini-journal, on passe sans transition à la revue de presse économique à la manette Rodrigue Babagbito. Amis de la plume et du papier, bonjour. Vous avez sûrement déjà vu un Père Noël, mais en connaissez-vous de géants? En tout cas, l'un des sons de la cloche cette semaine nous fait savoir que le président Talon en est un cette année pour les agents de l'État. Talon en géant Papa Noël, 3 milliards dans la balance, c'est ce que mentionne en manchette le quotidien. Dans ces lignes, le journal notifie que les agents de l'État auront pour les fêtes du Nouvel An et les salaires du mois de décembre 2019 et les arriérés salariaux à leur dû. Des arriérés qui s'élevaient à 70 milliards au titre des avancements mécaniques et promotions entre 2005 et 2015. Depuis son avènement en 2016, le gouvernement a procédé à des remboursements partiels chaque fois que l'état des finances le permet. Dans la même verve, le quotidien Fraternité se prononce également et rapporte les propos du ministre de la Communication, rapporteur du Conseil des ministres. Pour Alain Orunla, il s'agit d'un hasard que ce paiement coïncide avec la période des fêtes de fin d'année. Cela fera beaucoup de bien à nos foyers, à nos travailleurs et permettra aux vendeuses d'encaisser un peu d'argent, ajoute-t-il. Le gouvernement paie donc ses dettes et s'enrichit. Et oui, il s'enrichit, puisqu'il reçoit environ 59 milliards 16 millions de francs CFA de la part de la Banque mondiale. C'est l'un des sujets économiques abordés également cette semaine par les Canards. Amélioration de la croissance économique, de l'énergie et de l'économie numérique au Bénin, la Banque mondiale accorde 100 millions de dollars au gouvernement Talon. C'est l'une des parutions en manchette du quotidien Le Meilleur. Le dit quotidien mentionne qu'accordé par l'Association internationale de développement, IDA, ce financement vise à accompagner les efforts du président Patrice Talon pour renforcer la gestion des finances publiques et de la dette, améliorer la viabilité financière du secteur de l'énergie et favoriser le développement de l'économie numérique sur la période 2019-2021.
Sur le même sujet, la cloche donne un son à résonance plus lourde, relevant que ce soutien témoigne de la confiance des institutions de Bretton Woods pour la gestion saine du pays par l'administration Talon. D'après le quotidien, cet accompagnement financier va appuyer les réformes visant à renforcer et à accroître la performance et la compétitivité de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, à promouvoir les sources d'énergie renouvelables et à soutenir le développement de l'infrastructure numérique et de l'accès au haut débit grâce à la concurrence et à la réglementation. Et puis parlons de réglementation, qui veut exporter ses produits agricoles sur le marché de l'Union européenne doit désormais se plier à de nouvelles conditions. C'est ce que nous révèle l'économiste. Pour l'exportation des fruits et légumes vers le marché de l'Union européenne, un nouveau règlement phytosanitaire a été adopté le 14 décembre 2019 par l'institution internationale. Dans le certificat phytosanitaire, il faut désormais remplir une déclaration supplémentaire qui comprend le libellé complet de l'exigence spécifique pertinente. Aussi est-il désormais exigé une évaluation complète des risques par les autorités européennes quand il s'agit des marchandises à haut risque pour décider si ces légumes peuvent être importés et dans quelles conditions. Rappelons que le certificat phytosanitaire est exigé pour tous les fruits excepté l'ananas, la noix de coco, le durian, la banane et la date. Pendant ce temps, Wikeco se poursuit. Nous on se retrouve à une autre date, sûrement un dimanche, mais pour de nouvelles informations économiques. Merci à vous, Rodrigue Babagueto. Wikeco se poursuit et on installe le plateau décryptage avec les confrères. Je le disais à l'entame de cette émission, dans le cadre de la poursuite des réformes du système éducatif, le gouvernement a décidé de confier la sélection, la mise à disposition et la gestion d'une partie du personnel enseignant au secteur privé, notamment à des agences ou structures de placement. Cela en vue de faire fonctionner certains établissements publics d'enseignement primaire et secondaire. On fait le débat avec deux confrères sur ce plateau. Achille Fatondi, bonjour Achille. Bonjour Ilvaïus, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'accepter notre invitation. Merci, c'est un plaisir. À côté de vous, je reçois Roland Tchanka. Bonjour Roland. Bonjour Ilvaïus et bonjour à nos amis téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Merci. Alors Roland, après l'ANPE qui a recruté, il y a près de 30 000 enseignants pour le primaire et le secondaire, la charge sera désormais dévolue à des agences de placement privées à partir de la rentrée prochaine 2020. Comment appréciez-vous cette, ou plutôt comment comprenez-vous cette décision? Oui, merci. Il faut dire que depuis son installation en 2016, le gouvernement actuel a entrepris des réformes dans plusieurs secteurs. Et l'un des secteurs qui retient l'attention donc dans ces réformes-là, c'est le secteur éducatif. Et quand on fait l'état des lieux à ce niveau, on reconnaît qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Il n'y a pas assez d'enseignants, notamment au primaire et au secondaire. Et on a vu au fil du temps les actions qui ont été menées dans ce sens-là. On a parlé récemment de constitution de base de données des personnes diplômées. Donc, on a parlé de concours des aspirants au métier d'enseignant. Et donc, il y a également le fait que l'État n'a pas à ce jour un contrôle sur la qualité ou la formation des enseignants. Oui, mais c'est le rôle de l'État de former, il y a des écoles. Tout à fait, mais comme je dis, il y a des choses qui lui échappent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre dernier, il y a eu une fraude massive, il y a eu des fraudes massives au niveau du concours des inspecteurs. Et ce concours a été annulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs qui organisent le système ne mettent pas en confiance l'État central. Et donc, du coup, ce dernier est obligé de chercher des parades. Mmh. Alors, il n'y a pas que cet aspect. Il y a le fait que le niveau des enseignants pose problème également.
je l'ai dit tantôt, on n'a pas une vue sur la formation, sur la qualité de la formation. Oui. Et également, dans ce sens, une évaluation a été proposée, a été engagée au niveau donc par l'État central. Oui. Et vous avez vu les résultats qu'on a obtenus, même si cela a suscité un tollé au niveau donc du corps enseignant. Il est apparu quand même qu'à la fin du processus, il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Est-ce pourtant qu'il faut faire appel maintenant au privé pour gérer ça? Normalement, il est de la souveraineté de l'État de gérer un secteur aussi important que l'éducation. Oui, vous l'avez dit, c'est un secteur important. Et vous l'avez aussi dit, l'ANPE, qui est l'Agence nationale pour l'emploi, a reçu environ 30 000 oui. enseignants en septembre dernier pour le compte du primaire et du secondaire. Oui. C'est énorme. Oui. On n'a pas dit Agence nationale pour l'enseignement, on a dit Agence nationale pour l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ANPE ne peut pas, oui. ne peut pas gérer ou consacrer toutes ses ressources, tout son personnel à l'enseignement. Puisqu'elle s'occupe de plusieurs autres secteurs. Permettez que Achille revienne sur ce que vous venez de dire. L'ANPE ne peut pas gérer tout le personnel enseignant. C'est vrai que l'ANPE, c'est l'agence qui se charge de l'emploi. Employer, recruter des gens pour le secteur de l'éducation, c'est quand même du rôle de l'ANPE, non? Oui, en fait, il faut déjà commencer par comprendre que le gouvernement est dans une vision futuriste. Et c'est, comme on l'a entendu, en termes d'arguments pour défendre cette mesure, c'est déjà pour ne pas assister au vide d'enseignants que nous constatons dans certains établissements ou collèges. Vous voyez, actuellement, ce n'est un secret pour personne. Il y a des établissements où il n'y a pas d'enseignants du tout. Oui, trois mois déjà après la rentrée. Voilà, donc c'est une manière d'anticiper sur ces problèmes-là, me semble-t-il, pour l'année prochaine. Alors, c'est vrai, quand on voit les raisons pour lesquelles la mesure a été pensée, anticipée sur le manque d'enseignants, et également ne pas dépasser le ratio qu'il faut passer, l'État a dit, et c'est une solution durable parce que en fonction des normes de gestion communautaire, économique et tout ça, on ne peut pas aller directement à un recrutement. Donc c'est aussi une manière de gérer l'équilibre, n'est-ce pas, au niveau des caisses de l'État. Alors, l'ANPE ne peut pas directement s'en charger, ce que je me demande, c'est, et un peu comme les craintes hein, de certaines personnes tout de suite sur la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas attribuer le rôle quand même aux structures de l'État? Là, ce sont les inquiétudes. C'est vrai, la mesure n'est pas encore mise en œuvre. On ne sait pas encore quelles sont les modalités et les critères. Bon, on a défini quelques critères aux agences qui seront retenues, mais on ne sait pas encore quelles sont les modalités, quelles sont les enveloppes et qu'est-ce que cela va nécessiter comme investissement économique. C'est après peut-être une première année d'expérience que nous allons pouvoir vraiment avoir des éléments ou apprécier dans le fond la mise en œuvre de la mesure. Mais sur le champ, tout de suite, c'est que tant le gouvernement défend ce qu'il envisage de faire, tant ceux qui n'y croient pas encore également exposent des arguments qui ne sont pas non fondés. Bafouer, quoi. Donc, c'est vraiment un juste milieu qu'il faut chercher à voir. Roland, on pourrait se demander, on sait, vous l'avez évoqué tantôt, il y a eu un concours pour recruter des aspirants. Et l'ANPE s'est chargé de cela. Il y a beaucoup d'aspirants qui n'ont pas été insérés dans le système cette année. Ils sont restés sur le carreau. N'aurait pas-t-il été mieux de prévoir ces aspirants-là ou de voir la façon de les intégrer à partir de l'année prochaine que de penser d'un coup ils seront laissés sur le carreau, non, avec des agences privées? Oui, excusez-moi, c'est une solution dans le futur, dans la durée. Et donc, l'État ne fait pas les choses, ou l'actuel gouvernement ne veut pas faire les choses dans l'immédiateté. On a besoin d'avoir des résultats à long terme. Mm-hmm. Et donc, Achille l'a rappelé tout à l'heure, il faut rester dans cette démarche. Aujourd'hui, l'État recourt ou veut recourir à des agences privées. Mm-hmm. Et les critères ont été définis. Tout à fait. On a parlé de beaucoup de choses, mais globalement, il faut que ces agents quand même garantissent déjà
une certaine formation, une certaine évaluation périodique de ces enseignants, que ces agences aussi puissent garantir également la disponibilité donc des enseignants sur toute l'étendue du territoire. Donc l'État a mis des critères. Et comme je le dis, la mesure, ce n'est pas pour tous, elle va prendre effet à partir de la rentrée 2020-2021. Donc, pour le moment, nous sommes en train de supputer. On a le temps de prendre le recul nécessaire. Il est dit que la mesure prend effet à compter de la rentrée prochaine. Mais on sait qu'il y a des aspirants qui sont actuellement, qui ont été retenus dans la base de données, mais qui n'ont pas démarré cette année. Ils vont devenir quoi? Oui, c'est une bonne question. L'État n'a pas dit qu'ils seront laissés sur le carreau. L'État ne l'a pas dit. Donc, attendons de voir ce qu'on va faire, la décision que l'État va prendre par rapport donc à toutes ces personnes qu'on a déjà pris, qui sont déjà dans une base de données. Et je crois qu'ils vont être... On va les utiliser. L'autre question je vous pose, c'est quand même... cela paraît... C'est comme si faire un pas en avant et un pas en arrière. La NPE a acquis de l'expérience cette année dans la façon dont il faut gérer cela. Confier le recrutement à des structures privées, à des cabinets privés, c'est comme un pas en arrière. Non, ce n'est pas un pas en arrière. Je l'ai évoqué, la question de déficit d'enseignants se pose avec acuité. Si nous voulons que la NPE s'occupe de ça, eh bien, elle passera tout son temps à ne parler que de ça. Alors, je vous l'ai dit... Mais on peut créer une agence qui va s'occuper uniquement de ce secteur aussi. À plusieurs engagements. C'est vrai, c'est une agence pour l'emploi. Mais ce n'est pas que pour l'emploi. Dans d'autres secteurs de la vie nationale, il y a des problèmes d'emploi. Ce n'est pas que l'enseignement. Donc, si toute la charge au niveau de l'enseignement est confiée à la NPE, il peut arriver que l'agence s'essouffle. Il peut arriver que elle ne puisse plus évoluer normalement comme il se doit. Et donc, c'est ne pas mettre toute la charge dessus. Donc, la NPE, que l'État veut recourir donc à ces agences pour l'accompagner. Et comme je dis, on ne va pas dire tout de suite que c'est mauvais. Quand bien même, c'est à juste titre que certaines personnes pourraient avoir des appréhensions. Mais on ne peut pas dire que c'est mauvais, parce qu'on connaît bien la stratégie. C'est une parade. Ce n'est pas seulement l'enseignement, le système éducatif qui vit ça. Nous avons vu le cas du port autonome de Cotonou, nous avons vu le cas de la SBEE. Il y a des thèmes qui sont nouveaux aujourd'hui. On parle d'affermage, gestion déléguée. C'est une parade que le gouvernement actuel a trouvée pour régler les problèmes. Alors Achille, une parade pour régler les problèmes. On sait que ce gouvernement est quand même a pris l'habitude de créer des agences qui s'occupent de secteurs spécifiques. Créer une agence publique pour s'occuper du recrutement du personnel enseignant au service du public, n'aurait-il pas été mieux que de passer à des privés? Bon, c'est un peu comme je le disais au départ. Le gouvernement a expliqué que c'est à la recherche de plus d'efficacité pour un meilleur fonctionnement du système. Vous n'êtes pas sans savoir que le système ne fonctionne pas bien en ce moment. Alors, si l'ANPE, le gouvernement même dit que l'ANPE n'a pas les compétences, je ne sais pas si c'est les mots vraiment utilisés exactement, mais n'a pas dans son cahier de charge le rôle de gérer ces aspects-là, c'est parce que c'est très sensible et qu'il faut plutôt mettre ça entre les mains des gens qui s'y connaissent, puisque le rôle de ces agences, ce serait de rechercher et de mettre à disposition les agents, n'est-ce pas, non-agents permanents de l'État, à disposition de l'État pour exploitation à la fin. Donc, toujours est-il que on connaît un peu la mesure, mais on ne sait pas encore quelles sont les marges financières, quelles sont les modalités, ou quelles sont. On n'en a pas encore vraiment suffisamment en termes d'informations sur, la rémunération. Justement, parlant finance à présent, il se fait que recruter
des privés, des cabinets privés pour faire ce travail aura forcément une incidence financière. Les privés qui auront la charge de mettre à disposition le personnel suivant les critères de l'État, de garantir l'efficacité interne du système et de procéder à des évaluations périodiques. C'est beaucoup d'argent quand même que l'État va débourser au profit de ces privés. Oui, et c'est ça qui fonde les inquiétudes. C'est voilà. Ça qui fonde justement les craintes. C'est ça qui fait que beaucoup sont actuellement réticents sur le sujet. Et un peu comme ceux-là, on ne peut pas bafouer ces inquiétudes, ces craintes. C'est bien fondé. Donc, ce n'est que la première année de mise en œuvre. Et lorsque nous aurons des informations vraiment qui viendront clarifier le rapport que l'État aura avec ces agences-là, que nous serons tous fixés et nous aurons des éléments pour argumenter un peu plus. Toujours est-il que la logique du gouvernement, c'est une meilleure gestion, c'est la recherche de l'efficacité et on ne peut quand même pas dire que c'est mauvais. Non, maintenant, il faut qu'on passe à la mise en œuvre, il faut qu'on passe vraiment à la mise en œuvre de cette mesure-là pour commencer par avoir des éléments de donner raison au gouvernement ou de donner tort. Voilà, alors, Roland. Oui, je souscris parfaitement à ce que Achille dit. Déjà, des voix s'élèvent dans le rang des responsables des syndicalistes pour dire que, pour se demander, mais est-ce que ceux-là qui seront recrutés, est-ce qu'ils vont cotiser au Fonds national de la retraite. Il y en a qui disent qu'ils vont peut-être cotiser à la CNSS, mais est-ce qu'ils vont cotiser au Fonds national de retraite? Donc, c'est déjà une inquiétude qui est soulevée et que l'État doit quand même donner des garanties, parce que si les gens travaillent et ne cotisent pas, il y a un problème parce que la cotisation sert à quelque chose. Forcément, c'est pour la retraite. C'est pour la retraite. Voyez-vous, donc c'est un problème majeur. Et croyez-moi, ceux qui militent ou travaillent pour ce volet-là, ils s'en inquiètent. Et je crois que, comme a dit Achille, l'État a l'obligation de communiquer suffisamment, de clarifier ces zones d'ombre, ces points d'ombre pour nous mettre en confiance, pour mettre tout le peuple en confiance et les acteurs surtout en premier. En confiance. C'est une première année, c'est une expérimentation, c'est une phase pilote, comme on dit, et nous avons le temps d'apprécier, de voir les faiblesses, de voir les forces, et je crois que l'État lui-même, en prenant ses engagements, n'est pas ignorant de ce qui va arriver. Si, en cours de route, il apparaît qu'il y a des problèmes, je crois qu'il prendra le recul nécessaire pour rapidement corriger le tir. Ouais. Alors, une dernière question. Est-ce que cette solution, à votre avis, cette solution pourrait définitivement aider à régler le déficit d'enseignants dans le secteur éducatif? Je ne veux pas être pessimiste. Je veux croire que le gouvernement qui a pris cette mesure l'a suffisamment mûri. L'État a... C'est ton rôle régalien, comme vous l'avez dit, d'assurer l'éducation pour tous, d'apporter, de s'assurer que l'éducation qui est donnée est une éducation de qualité. Et nous avons déjà vu, depuis l'arrivée, donc l'installation de ce pouvoir, que beaucoup de choses ont été déjà réalisées. Beaucoup d'actions ont été déjà menées dans ce secteur. Donc, déjà, en se fondant sur ce qui a été fait, sur cette volonté du gouvernement d'améliorer les choses au niveau du système éducatif, on peut espérer que ce qui se fait en ce moment soit quand même pour le bien de nous tous, soit quand même pour une meilleure prise en charge du secteur éducatif. Non, ce qu'il faut déjà, ce pourquoi il faut être fier, c'est que la mesure tombe un peu tôt. Cela permet à l'État d'enregistrer les inquiétudes et les craintes. Et dans une logique ou une démarche de prise en compte de ces craintes-là, je pense que ça peut être encore retouché au niveau des structures déléguées pour la mise en œuvre.
Et donc, ce qu'il y a à dire effectivement au nombre des craintes, c'est effectivement également que ces structures ou ces agences ne viennent pas rendre encore plus compliqué la vie aux aspirants. C'est ça. Parce que déjà, même dans le lot, des aspirants, on en entend qui se plaignent. Et malgré les limites du mouvement de débrayage, vous avez pu avoir l'information que beaucoup ont été dans la rue. Absolument. Pour se faire entendre sur un certain nombre de préoccupations. Donc, vraiment, c'est souhaiter que la gestion de la carrière de ces gens-là puissent vraiment être prises en compte, puisque c'est un secteur sensible et me semble-t-il on n'a pas encore tenu le bon bout. On ne tient pas encore le bon bout. Il faut vraiment arriver à créer les conditions qu'il faut pour que l'éducation donnée dans les salles, dans les établissements, puisse refléter et ce qui est souhaité. Merci à vous, chers confrères, pour vos analyses pertinentes. On retient qu'il faut mettre l'accent sur la gestion de la carrière, la gestion de carrière de ceux-là qui seront recrutés par le secteur privé. Achille Fatondi, merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir, Loïs, merci. Laurent Tchanka, merci beaucoup. C'est moi. Et sans plus tarder, nous ici, on continue Week Echo et on installe le plateau dossier de la semaine. C'est un animal réputé pour être une bonne source de protéines animales, pauvre en graisse et en cholestérol et donc très bon pour la santé. Mais son élevage, par contre, fait parfois face à des difficultés énormes, dont justement celle plus connue comme étant la peste lapine. Mais avant d'en parler, suivons cet élément réalisé par Marcel Bettero. J'ai perdu 565 lapins. À moins de 6 jours, tout est mort comme ça. J'ai perdu au moins 300 têtes, hein. Y compris les lapéros, même les mères enceintes, tout. Les 495, il ne reste que les 6. Ce qui se passe ici, c'est déjà passé un peu en 2001, puis en 2015 et maintenant en 2019. On nous avait dit qu'il s'agissait de la maladie hémorragique virale du lapin. Lorsqu'on dit virale, ça veut dire que c'est une maladie virale qui ne peut pas se guérir. On doit prendre des mesures de prévention. En 2015, il nous a dit d'aller payer le produit de VH, vaccin de VHD. Et j'étais parti moi-même à la direction de l'élevage. Et j'ai été là-bas, pris ça à 18 000 francs. 20 doses. Et j'ai pris au moins 4 boîtes. Et j'étais arrivé faire les vaccins pour tous mes lapins. Malgré ça, à peine un mois et demi, tout est parti. C'est une maladie virale. Il n'y a pas une précaution curative. Les mesures préventives, c'est de respecter la biosécurité. Ils doivent désinfecter totalement les exploitations et mettre leur élevage en quarantaine jusqu'à ce que le nouveau vaccin sera disponible et nous allons nous rapprocher des représentants de chaque association des cuniculteurs pour leur indiquer les mesures à prendre. C'est d'abord au niveau des éleveurs eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à faire la chose correctement comme on devrait le faire. Donc il manque la formation, il manque le renforcement de capacité au niveau des éleveurs eux-mêmes. Je ne suis pas découragé. Donc je prétends recommencer encore en 2020. Ça ne me plaît pas de laisser. Ça me plaît de continuer correctement. Vous l'avez compris, cette maladie a ravagé des centaines de têtes de lapins. Et pour en parler sur ce plateau, on reçoit un cuniculteur. On l'appelle Aimé Damado. Bonjour, monsieur Damado. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je sais bien. Merci de venir partager avec nous votre expérience de la culture et de l'élevage du lapin. C'est à vous de me remercier aussi. Alors, sur ce plateau avec moi pour conduire cet entretien, Patrick Adjagodjou. Bonjour, Patrick. Bonjour, Ylvaïs Balogun. Un plaisir de vous retrouver toujours en pleine forme. Le plaisir est partagé. Alors Patrick, que dire de la peste lapine qui fait tant de ravages? Chers téléspectateurs, la peste lapine est un mal qui sévit. Un mal qu'on appelle syndrome hémorragique du lapin ou encore la maladie du lapin. C'est un virus qui peut provoquer le décès de plusieurs lapins en un laps de temps dans un cheptel. C'est justement le cas de notre invité qui a perdu
Deux fois de suite, en l'espace de 2 ans et demi, plus de 1500 lapins dans son unité d'élevage. C'est bien ça. Ou bien, monsieur Mitchika. C'est bien ça, monsieur Junard. Très bien. Mais dites-nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette maladie a pu ravager toute votre unité d'élevage? D'entrée, il faut dire, la maladie là s'est apparue au Bénin en 1995 pour la première fois. Et depuis, on a essayé, on nous trouvait des vaccins, mais cette année-ci, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Le vaccin n'a pas répondu. Cette fois-ci, le vaccin n'a pas répondu. On ne sait pas si c'est une autre forme de maladie qui est venue pour donner ce mal-là. On a perdu assez, nous les cuniculteurs. Vous, à votre niveau, pour le premier cas, ce que vous avez constaté, la première expérience que vous avez eue, en perdant beaucoup de lapins, comment la situation vous a... Comment vous avez vécu ça? Comment c'est arrivé? Ça a été une surprise totale. On a perdu, on ne maîtrisait rien pratiquement. On ne savait ce qui se passait. C'est après qu'on nous a informé qu'il faut faire vacciner nos sujets pour prévenir le mal, qu'il n'y a pas un traitement curatif pour ça. Est-ce qu'il y a eu des symptômes, des manifestations? Oui. Comment la maladie se manifeste? L'animal perd de poids, perd d'appétit, il ne mange pas, il ne boit pas. Et il est là, dans un coin. Vous le sentez qu'il a mal, mais comme ce n'est pas un être pour s'exprimer, une personne pour s'extérioriser, on souffre avec elle. Oui, mais quand vous remarquez ces symptômes-là, quelle est la démarche que vous entreprenez? Normalement, vous devez faire appel à un vétérinaire. Oui, bon, on a fait appel au vétérinaire au moment opportun. Mais le vétérinaire aussi était dépassé. Parce que le vaccin qu'on nous a proposé et qu'on traitait avec n'a pas répondu à cette fois-ci. Pour cette fois-ci, ça n'a pas répondu. Mais le vaccin vient d'où? Qui vous donne le vaccin? Qui vous donne? Oh, c'est les structures, les pharmacies et vétérinaires. Okay. Bon, nous allons parler de comment ces vaccins... Vous avez beaucoup d'expérience en la matière. Justement, sur la question des vaccins, est-ce que les vaccins sont contrôlés par une structure de l'État? Vous savez, nous ne disposons pas de moyens pour vérifier tout cela, la qualité de ce qu'on nous sert. Donc, dès que l'encadreur ou bien le vétérinaire vous dit « Prenez ceci et traitez vos sujets », on le fait. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais j'ai un souci. Les vaccins sont normalement, dans le cadre d'élevage, il y a des vaccins qui sont homologués qu'on doit utiliser. Oui. Donc ce sont ces vaccins qui sont prescrits par les vétérinaires. Oui. Et ce sont ces vaccins qui n'ont pas marché. Cette fois-ci. Et à votre avis, le problème se pose où? Est-ce au niveau du vaccin ou au niveau de cette maladie qui a touché votre cheptel? Je dirais au niveau du vaccin. Parce que les autres fois, on a eu des cas où ça a répondu. Mais cette année-ci, on n'a pas eu ce cas. Et d'autres, parmi les cuniculteurs, il y en a plein qui ont vacciné leur sujet, mais ils ont été atteints. Est-ce que vous avez fait des démarches pour aller vers les promoteurs de ces officines et après aller vers les autorités compétentes? Oui, on est en pourparler. Ils devraient nous rencontrer, mais jusque-là, on n'est pas encore entré en contact. Mais ça fait longtemps, Ça fait longtemps. Ils nous avaient programmé un temps là. Mais après, ils ont envoyé des messages encore pour dire que c'est reporté pour une date ultérieure. On est là, on attend. Alors, est-ce qu'il y a, vous permettez, Patrick, est-ce qu'il y a une information officielle venant des autorités du ministère pour vous dire ce qui se passe exactement? Non, à ma connaissance, non. Mais on a écrit à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Oui. Ils nous ont répondu qu'ils nous reviendront. Mais depuis là, on n'a pas d'action en leur endroit. Voilà, on vous aura très bien compris. Pour avoir été victime de la peste lapine, vous avez connu certainement beaucoup de pertes sur le plan financier. Énormément. Vous pouvez nous chiffrer cette perte? Il faut reconnaître que j'ai perdu environ 1548, précisément 1548 têtes pour cette fois-ci. Et si je dois évaluer ça, je suis autour de 3,5 millions. 3,5 millions. Ça voudra dire que chaque tête est à 3 000. 3 000 fois 1 000. Si on peut faire ce calcul approximatif. Le calcul approximatif, dont chaque tête de lapin est à 3 000. Oui. Et quand on multiplie fois les 1548, ça fait quelque chose de 3 millions. Oui. Alors, vous avez perdu près de 3 millions. Vous aviez, à la base, pour avoir les 1548 têtes de lapin, vous aviez investi combien? En termes d'investissement,
je l'ai calculé, mais à un chiffre approximatif. Approximatif, oui, parce que... Il faut reconnaître que j'ai mis au moins 1,5 million dedans. 1,5 million. Oui. Et aujourd'hui, tout ça est parti. Oui. Ou bien vous avez... Non, on n'a pas pu récupérer. Et comment reconnaître quand on est éleveur, hein, qu'on soit professionnel ou pas, ou bien c'est dans sa maison, chez soi, comment reconnaître rapidement que le lapin est infecté? En fait, le lapin, c'est un animal qui a besoin d'attention. À tout moment. À tout moment, il faut l'observer. Oui. Même en lui servant son alimentation, là, observer là, s'il mange, s'il boit, s'il est agité, tout ça, il faut l'observer. Et c'est par là qu'on décèle s'il y a un mal. Si ça ne va pas, on sait. Et ce qu'il faut lui apporter, on l'apporte, on lui apporte. Très bien. Si ça répond, c'est bon. Si ça ne répond pas, on fait l'appel au vétérinaire. Est-ce qu'il y a d'autres mesures préventives? À part les quelques actions, bons gestes que vous venez de citer. Oui, il suffit de bien faire l'hygiène de son unité d'élevage. Alors, je voudrais savoir, moi j'ai bien envie de me lancer dans la culture de lapin. Oui. Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, je suis un profane et j'ai envie de le faire. Je démarre par quoi? Alors, il faut d'abord faire les cages. On peut prendre les sujets. Un mâle, le ratio, c'est un mâle pour 4 à 5 femelles. Un mâle pour 4 à 5 femelles, oui. Lui seul, avec 4 femelles? Oui, ça peut tenir. Et là, ça et peut là tenir. Avec ça, avec ces 5 têtes de lapin, on peut espérer combien? Au bout de combien de temps? Oui. S'ils sont déjà adultes, et que c'est prêt pour la reproduction, par femelle, vous pouvez avoir 5. Minimum, 5 petits par mois. Sur quelle échéance? Il faut combien de temps pour la fécondation? Il faut un mois pour la gestation. La gestation, c'est un peu la grossesse chez nous, les humains. Oui. Et ils font un mois avec leur maman aussi, les petits. Donc, 2 mois après, on est sûr d'avoir moins 5 Bon, il faut que l'âge adulte, c'est 3 mois pour aller à la consommation. Okay. Oui. Si Ulvarius décide de s'investir dans la production, dans l'élevage de lapin et qu'il obtient tout ce que vous venez de lui dire, est-ce qu'il va s'engager aussi très tôt dans la vaccination? Bon, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non plus. Parce qu'il faut prévenir à tout moment. Vaccin, on ne va pas trop le dire, mais il y a des médicaments... Qu'on donne, les injections, les ampoules bivalves, les comprimés aussi. Qu'on leur donne. Pour prévenir certains mal, certains maux. Est-ce que vous qui êtes cuniculteur, est-ce que vous recevez une autorisation, je ne sais pas, hein, un agrément du ministère ou des autorités, ou n'importe qui peut se lancer. Parce qu'il faut reconnaître que la filière n'est pas encore organisée. La tout filière comme de la viande De la viande de lapin. N'est pas encore structurée comme on a chez les avicoles. Oui, je vois. J'ai ouï entendre que l'infection se produit d'une part par le contact avec d'autres lapins infectés ou par des piqûres d'insectes. C'est vrai? Pas la piqûre d'insectes. Ça se transmet de lapin en lapin. D'objets souillés qui a été utilisé pour un lapin contaminé vers d'autres lapins sains. Très bien. D'une personne, je dirais un animal, et celui qui s'occupe des animaux, il peut être souillé depuis le lapin atteint et va transmettre à l'unité d'élevage restant, le reste. Et si un lapin est infecté et que ce lapin se retrouve dans le cheptel ou bien dans l'unité d'élevage, est-ce qu'il faut le vacciner lui seul et laisser les autres? Non. Mais on vaccine tout le monde en même temps. Il faut reconnaître que dès que c'est atteint, on n'a plus besoin de vacciner. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas de traitement curatif. Oui, mais dans ce cas, il se pose un problème. Si vous voyez votre lapin qui commence à avoir quelques comportements... Vous assistez incapable de réagir. Et vous voyez comme ça partir tout votre cheptel. Vous avez quel pouvoir? Vous n'avez pas un vaccin, vous n'avez pas un traitement curatif. Et c'est un truc, c'est un mal qui peut disséminer tout un cheptel en 2 jours. Moi, je l'ai eu en un week-end. Waouh! Et tout est parti, oui. 1548. Et dites, la peste du lapin survient aussi principalement pendant les mois humides et chauds. C'est bien. C'est vrai? C'est vrai. Et est-ce que nous sommes
notamment dans quel mois, mois de... Nous sommes en décembre maintenant, on est en train de sentir une régression du mal. Ça régresse maintenant. Est-ce que, en tant qu'éleveur, vous confirmez que le mal sévit dans notre pays? Oui. Dans quelle localité? Si les autorités doivent agir sur le mal en termes de prévention? Plus dans la partie méridionale, le sud, le littoral, l'Atlantique surtout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, voilà que vous avez perdu tout votre cheptel. Vous, vous attendez quoi aujourd'hui? Bon, pour prévenir. Non, mais vous avez perdu. Vous avez perdu? Oui. De lapin. Oui. Quelle est aujourd'hui votre motivation? Je suis toujours motivé à recommencer. Parce qu'il faut reconnaître que l'élevage, ce n'est pas qui veut, qui fait l'élevage, mais qui peut. Mmh. Et aussi, il faut la passion pour la chose, pour le faire. Sinon, vous allez dire, c'est trop dur, vous abandonnez à la fin. Aujourd'hui, le conseil, en quelques mots, quel est votre conseil à l'endroit de vos collègues éleveurs? Je leur dis d'avoir la persévérance, le courage, et on va combattre tout ça. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? C'est difficile, les chiffres en l'air, tout ça, c'est vrai. Peut-être 3 millions en un week-end. Mais il faut reconnaître que si on n'était pas convaincu qu'on allait gagner dedans, on n'allait pas se lancer dedans. Qui ne risque rien n'a rien. Rien, oui. La vie, c'est tout un risque. C'est tout un risque. Et il serait aussi judicieux, Ylvaïs Balogun, quand on est éleveur ou passionné de l'élevage, comme vous, de consulter chaque fois un vétérinaire. Absolument. Parce qu'il a des conseils à vous donner, des orientations. Oui. Quand bien même vous avez assez d'expérience, comme Aimé Damado. Je suis d'avis que vous avez dit, soulevé cela. Mais il faut reconnaître que la majorité des cuniculteurs, c'est des gens, je ne dirais pas pauvres, mais des gens dans les coins reculés où ils n'ont pas les moyens de faire déplacer même l'encadreur ou le vétérinaire. Il y a tout ça qu'on doit mettre en jeu. Pour régler vos problèmes, il faudra organiser le secteur. Voilà, il nous faut une vraie organisation du secteur. Merci à vous, Ylvaïs Balogun, chers téléspectateurs. Nous sommes assez édifiés sur le sujet. Eh oui, on l'aura compris, il faut organiser le secteur du lapin pour mieux pouvoir en bénéficier. C'est vraiment bien ça. Oui. Merci à vous, monsieur Aimé Damado. Merci à vous. Patrick Adiamoudou. Merci. C'est la fin de Week Echo de ce jour. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches à 11h sur BB24, mais également sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Je vous souhaite un joyeux Noël. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain.